Et plop les gens, on se retrouve dans The Arbillions. J'ai 240 points de technologie à utiliser. J'ai un peu regardé les choses intéressantes, il y en a beaucoup. Je pense que vu qu'on a une mission de héros, on va la faire tout de suite, comme ça on va avoir 460 en plus. Et après on aura le temps de, je pense, de dépenser ses points. Surtout que pendant que je règle mon écran un peu, c'est un peu trop sombre. Voilà. Surtout que ici j'ai l'impression qu'il y a, bon, des explosifs, ça ne m'intéresse pas des masses. Mais sinon il y a beaucoup de merveilles. Là aussi c'est une merveille, ça c'est une merveille, ça c'est une merveille. Ça aussi. Ah non, c'est un nouveau bâtiment ça, donc peut-être que celui-là... Mais je l'ai jamais vu d'ailleurs celui-ci. Il donne 200 points d'empire. Hmm. Peut-être juste pour ça il peut être intéressant, pour faire les hordes plus facilement. Et peut-être que ça on pourra avoir des guêpes, c'est des sortes de sulfateuses je crois. Gatling. Ouais, peut-être juste pour ça c'est intéressant. Mais sinon... ça m'a pas l'air hyper intéressant de beaucoup se focus sur ces constructions là. Par contre ça me donne envie de rusher un petit peu les machineries avancées, la fonderie, pour récupérer du pétrole et avoir des nouvelles unités, avoir des moulins, fermes et autres améliorés, carrières. Donc voilà. Je pense qu'on va garder un peu nos sous. Il y a aussi la sphère de plasma, la toile de choc là, qui peut être par contre une défense assez utile. Ça fait un rayon de... Enfin, ça fait des dégâts autour d'elle-même, donc c'est toujours pratique, j'ai envie de dire. Donc on commence tout de suite la centrale énergétique Hydra. Cette centrale continue à fonctionner malgré son abandon. Il y a de nombreuses années. À en juger par les poteaux électriques et les câbles à haute tension qui sortent de l'usine dans toutes les directions, il semble que cette centrale Hydra fournit de l'énergie aux autres forteresses de la région. Explorez le bâtiment principal et ses environs et récupérez autant de technologies que vous le pouvez. Condition de victoire, obtenez l'objet de la mission, artefact de mission. Le héros doit s'échapper vivant de la forteresse. Et en secondaire, on va avoir 260 points d'empire et surtout 460 points de recherche. Évidemment, le héros doit s'échapper vivant. C'est mieux. Toujours. Pourquoi tu... D'accord, ça doit être la sortie. Mais pourquoi il était dirigé vers la sortie? Il n'a pas envie d'y aller. Centrale énergétique Hydra. Attention, risque d'infection. Bâtiment est environ insalubre. On va passer par le sud d'abord. Oh. Une grenade, très bien. Ça, pourquoi il y a un carré là? C'est juste une texture un peu ombragée, buggy, on va dire ça.
Et donc ici il y a un spawner, ça a rien de trop resté. Là il tire de la main gauche. Suivant l'orientation, là il tire de la main gauche et s'il doit tirer vers la droite, il tire de la main droite. C'est marrant. Encore deux grenades. Des choses ici. On dirait que le jeu me dit non. Là il n'y a pas l'air d'avoir grand chose en soi. Encore un spawner ici. Et ben, d'habitude c'est plus safe dehors que dedans. Et ça n'a pas l'air d'être le cas à cause des spawners un peu partout. Mais n'empêche qu'il faut y aller si on veut toute la science, tous les objectifs secondaires. Je vais les ignorer ceux-là. On est carrément en dehors des limites de la carte là. Là il est droitier, vous avez vu, il passe de la main gauche à la main droite, là il est droitier, et là il est gaucher. Il est fort. Une arme avec autant de recul. Être aussi précis dans toutes les circonstances. Il n'y a rien là. Ici on n'a pas fait gaffe, mais... Oh non. Est-ce qu'il y a un truc dans le coin ? Ça n'a pas l'air. Quand je regarde les cartes, je vois que derrière nous c'est tout rouge.
Oh là là, il y a trop de spawners par là où on passe. Oh, dommage. Il avait pas commencé à courir, on aurait pu avoir les trois d'un coup. Contre de secours. On est là. J'espère que ouais, on peut tout faire tout le tour parce que comme ça on n'aura pas besoin de revenir en arrière. Et on n'aura pas fait le ménage pour pas grand chose quoi. Enfin, à moins qu'on oublie quelque chose. Ce serait relou. Oublier quelque chose. Oula. Alors. Petit truc à prendre. J'ai l'impression qu'on arrive au bout, il y a au moins quelque chose jusque tout au bout. On a donc récupéré 90 sur 460 de science. Maintenant, il faut faire tout le chemin retour. Non, il y a une entrée là. Heureusement, il y a une entrée par là. Bien vu ici, il n'y a rien. Quel zombie qui se tape la tête contre le mur. Non, 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 non. Non, la vue où on en est. On va passer par l'intérieur et on remontera. Yes. Of course. Come on. Perfect. Voilà, c'était un peu chaud, j'avais pas prévu. That's easy. I hope not to find a harpy there. That's easy. Perfect. For the Empire. Lui, voilà, parfait. On a un peu plus de midlife, ça nous rapporte combien la sous-trousse de soins, je sais plus. Right.
qu'il n'y en avait qu'un, mais ça a l'air bon. On a vidé cette salle. Ok. Ça m'attaque ? J'avais su, bon. Mais tu l'as d'abord. Salle des alternateurs. Attention, l'alimentation électrique d'urgence de cette pièce a été activée. Il y a des portes, mais c'est tout, je crois. Cette pièce là quand même. Des portes, il y a masse de portes ici. Alors ça, il n'y a pas ici la porte, on va regarder. Pousse de soin. Turbine hydraulique, attention, emplacement très infecté, arme automatique enclenchée, brancher l'alimentation pour les activer. Ok, au secours. Je sais pas si ça suffira de brancher là-bas, de brancher l'im ici. On dirait que non. Attendez. Pour la ligne d'ici, il faut peut-être aller par là-bas en fait. J'aurais dû faire gaffe qu'il n'y avait pas de... ligne haute tension. Ah oui, il y a du monde ici. Il va se les faire. Ici, si. Non, non. Ils arrivent d'en haut aussi. Great.
En fait, je sais pas comment ça marche ces trucs électriques. J'aurais peut-être dû passer par l'entrée, mais... Ça devient blanc et c'est à ce moment-là que ça explose. Ouais. Peut-être les garder allumés. Et essayer de passer en suivant cette indication-là. Ouais, je vais passer par là du coup. En train de tout ouvrir, ce que je voulais ne jamais faire avant, mais... Ça n'a pas l'air très efficace sur les zombies. Allez. Quand même. C'est juste que bah faut qu'il soit au bon endroit au bon moment, ce qui par défaut n'arrive pas, du coup j'aurais dû l'activer dès que j'étais à côté. Ça aurait aidé à libérer la salle dès le début. Heureusement que part du principe que il n'y a pas de spawner illimité quoi, parce que si on a, c'est pas ouf. Voilà une guêpe, j'en parlais tout à l'heure. Justement, faut l'alimenter et c'est par la salle d'à côté apparemment. Ici on peut essayer d'aller à droite hein, au final. J'ai pris hyper cher. C'était pas prévu de rentrer par l'arrière du bâtiment. Voilà.
freinage a un peu été fait en automatique, quoique on peut retourner là, en train de bouger. J'aimerais bien lire ce qu'il y a ici, pour voir ce que j'ai loupé dans cette salle. J'ai l'impression qu'il y a quand même un nid par ici là. Un spawner par là. Salle des alternateurs. Attention, l'alimentation électrique d'urgence de cette pièce a été activée. Je le savais en fait, si. Ok. Parti là, c'est bon. Réactiver un petit coup. Je suis à peu près sûr qu'ils ont bougé. Et... voilà. 2-3 kills Kratos. On dit pas non. Il y en a peut-être d'autres là-bas qui sont morts aussi. Ou pas. Peut-être que j'ai pas laissé assez longtemps. Donc là il y a quelque chose. Il y a un texte. Attention, emplacement très infecté, arme automatique, enclenché, brancher la mission pour les activer. On sait pas forcément être en extérieur là. Je pensais qu'il y avait une petite pièce qui allait alimenter tout ça, mais non. Ouais, mais 13 PV depuis tout à l'heure. D'accord. Donc là, il y a ici qui alimente en électricité, ici aussi. J'ai du mal à voir comment je peux alimenter d'autres choses proches de cette salle-là. Grenade. Excellent idea, sir. I hope not to find a harpy there. Alors faut que je cours là dans l'idée que j'alimente de je sais pas où. Et tout.
the Empire. Okay. For the Empire. Yes. They're already dead. Silent and lethal. Wonderful. On va quand même utiliser la trousse de soins. Quand un truc... Passer par le nord, ça aurait fait, ça aurait été plus rapide, avec moins de choses à découvrir. D'information, merci de prendre un siège et d'attendre votre tour. Alors en général c'est là-dedans qu'on a tous les points de d'empire. Je pense que c'est bon, j'espère. Heureusement, cette salle-là est proche de l'entrée, donc au pire, c'est pas grave. Rangement des composants. Avis aux opérateurs, la zone de stockage doit rester propre et bien rangée en tout temps. Propre et bien rangée, effectivement. Il y a un truc, un deuxième ici, il y en a un troisième là, ah, il y avait rien d'autre. Des fois j'ai l'impression que ça flash un petit peu les tous les trucs que je peux sur lesquels je peux interagir à l'écran. Sauf que vu que je sais pas pourquoi des fois ça flash, c'est un peu compliqué. J'ai l'impression que c'est quand je passe ma souris sur l'un, les autres clignotent aussi des fois. Le problème c'est le des fois. Voilà, il y a eu celui-là et celui-là qui ont clignoté d'un coup. Alors que je passais ma souris sur rien du tout. Franchement, celui au milieu, j'aurais pas forcément pensé à le... à lui là-bas, il a... pas flashé, pas que je l'ai vu en tout cas. Alors ici, le transformateur secteur A. Attention, les tours d'approvisionnement ont été coupées en raison d'un risque élevé d'électrocution dans la zone environnante. Utilisez la console de commande pour rétablir le courant. Ici, ils se sont déjà tous dispersés là. Non. Fais gaffe à toi. Reste là. Il y avait un truc ici que j'avais pas vu. Alors. Toute cette grande zone au sud et puis après faudra venir au nord. Hein. Un moment, mais ils m'ont donné espoir en disant que on pouvait juste rétablir le courant ici, donc
J'ai été dehors, j'ai fait tout le tour. Il y avait un truc dehors ou dedans. Mais lui et lui sont connectés. Donc lui n'active pas l'intérieur. Oh, la tourelle, elle est morte. De où? Ah, faut que je rentre là et que... Ok, je vais essayer. Non, de là. J'aurais pu désactiver, ça aurait été plus facile, mais... L'impression de m'être fait avoir que les guêpes se sont fait buter, du coup c'est trop tard. Être là, hein. Oh super, ça m'a défoncé. Commencer à y avoir un peu de monde. Il vaut mieux s'attarder à mettre une grenade. Lui, tout d'un coup, il nous entend et vient. Et lui. Et à celui-là aussi. S'il n'y a pas un zombie là, du coup je lui dis d'y aller en tirant sur tout ce qui bouge, ça n'a pas l'air. Ici, ce n'était qu'une grenade. Alors... toute cette zone-là... Par où je rentre en fait? Est-ce que je rentre par là? Je rentre par là, ça a l'air d'être déjà... Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de zombies, donc on va faire ça. Faire le ménage de tous ceux qui restaient. Et pas trop mal non plus. Là, c'est quoi l'artefact de mission d'ailleurs? Il y a une porte ici aussi. Sounds good.
good. Wonderful. Perfect. Interesting. Come on. Nice. Anything more? Let's go. Let me blow up some heads. Yes. Non, ils veulent pas, hein. Ils veulent pas se laisser buter par l'électricité. Du coup, on est obligé d'attendre 50 ans que notre gars veuille bien tirer. Oh là, il y a un... Bah, si tu allais dire qu'il est en plus mauvais état, mais non. Que lui explose. Et on se met là. Oh punaise. Voilà, j'ai bien fait de pas utiliser la grenade. Exactement ce que je demandais au... truc électrique. Ici ça les bute bien tout le monde. Moi il n'y en a plus. Vraiment au moins. Secteur D, accès nord. Attention, le secteur D reste actif. Ne pas utiliser cet accès, risque d'électrocution. Utilisez l'accès sud à la place. Ah. Effectivement. Ou alors j'ouvre la porte. Juste pour que si les ennemis passent, ils se fassent électrocuter. De là-haut, c'est compliqué.
Emperor. Nice. Sounds good. Il est explosé. Ou de secours. Il y a un truc ici aussi. Reste là. C'est trop compliqué de connaître leur zone. C'est la première fois qu'on les rencontre. Secteur D, accès sud. Attention, risque élevé d'électrocution. Restez dans le couloir principal d'accès. De grenades, on commence à en avoir beaucoup de grenades, j'aurais peut-être pu être un peu plus généreux. Appel de commande, attention, accès réservé, niveau de sécurité est 9. Une grenade. Et cette zone là on la coupe. Est-ce que c'est intelligent de la couper? Parce que là, ouvrir la porte, en fait on va se faire dégommer sinon. J'en étais sûr. Je vais pas les presser à sortir parce que du coup ils restent là. Et en plus ils ont l'air d'avoir besoin de deux coups électriques plus ou moins. Donc c'est ça l'objet de la mission. Donc il manque 60 de science et 50 de empire. Il y a 1, 2, 3. Je crois que c'est le même. Ah, j'ai l'impression qu'il n'y a que 3 trucs, du coup ça va pas le faire, il nous en manquera au moins un quatrième. Peut-être qu'il est caché. Peut-être qu'il est ailleurs. L'impression que l'électricité soit hyper efficace contre eux, vu que... Ouais. Non ! Au moment où j'utilise la trousse de soins en même temps... Qu'est-ce que ça fait? Faut la refaire en entière. Bon. Ben, rip. On va enchaîner tout de suite parce qu'elle était longue. Donc, bah, j'espère que ça vous aura plu malgré fail final. Et à bientôt pour la réussir cette fois. Salut.